Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule la conduite aux USA. Il faut tout d'abord savoir que les conducteurs sont très respectueux du code de la route. En effet, la police est très présente et les amendes sont élevées. Première chose à savoir en tant qu'étranger est que l'âge limite pour conduire est 21 ans, contre 18 ans en France. La deuxième chose est que les limitations de vitesse s'expriment en MPH, donc en miles per hour. 1 mile, c'est égal à 1,6 km. Le permis français est valable aux États-Unis pendant 3 mois, mais il est conseillé de faire un permis international qui est valable, lui, 1 an. Donc, il se fait auprès de la préfecture et il permet de simplifier les procédures de location. Parlons maintenant des limitations de vitesse. Donc, en ville, elles sont de 24 mph, donc 40 km/h. Sur route nationale, elles sont de 55 mph, ce qui équivaut à peu près à 88 km/h. Et sur autoroute, elles sont entre 65 et 75 mph, donc entre 104 et 120 km/h. Donc, les règles de priorité sont que le premier arrivé au carrefour est prioritaire. La tolérance d'alcool dans le sang est de 0,1 g par litre, c'est-à-dire quasiment rien du tout.